Bon, il y a encore quelques jours, c'était les fêtes de Noël, on le sait. Pour l'occasion, toutes les chaînes s'étaient mises aux belle couleurs info, des ça. Fêtes. Non, mais c'est important, regardez, rappelez-vous. D8 était aux couleurs des sports d'hiver, c'est normal, c'est Noël. France 2 avait mis tous les animateurs en place pour souhaiter un joyeux Noël. M6 aussi, bien sûr, ou encore TF1. Mais comme d'habitude, une chaîne a choisi de faire différemment des autres. C'est Arte qui a choisi de représenter Noël avec une chèvre qui chie des cadeaux. Franchement, c'est tout fait bizarre. Hey, c'est les meilleurs. Bravo, bravo, ça c'est tout bizarre. C'est drôle. Bon, c'est écoute, drôle. Le mec est en reload. J'ai peut-être une idée pour Noël. Vas-y, Christophe. J'ai envie d'une chèvre, mais qui chie des cadeaux. C'est mortel. Et là, il y avait Patrick Sébastien à la réunion. C'est génial. Et je l'ai eu dans le grand cabaret, elle chie des cadeaux. C'était génial. On était avec Jeff Panaclan, qui s'est éclaté. Jeff Panaclan. Putain, vas-y, non, c'est éclaté. J'ai dit à Jeff, regarde cette clé, regarde sa chèvre, elle chie des cadeaux, putain, c'est génial. C'est que de l'amour. Allez, c'est parti. Regarde, Jeff Panaclan. Il est toujours là, Jeff Panaclan.